Écoute, je suis complètement crevée, là. Et j'ai soif. Et j'ai aucune putain d'idée de l'endroit où on est. Alors vas-y, sois sympa et fous-moi la paix, ok? On va bientôt s'arranger. On est complètement paumés. Je vais crever de soif. Et on est vraiment dans la merde. Mais ça va s'arranger. Laisse-moi tranquille, Aiden. Quoi ? Ça va, Aiden. Y a pas de raison d'être nerveux. Je suis désolée de vous déranger. Je cherche juste un endroit où passer la nuit et je me demandais si... Tu peux pas rester ici. Désolée. S'il te plaît. Il va vraiment faire froid cette nuit.
Et j'ai nulle part où aller. Écoute, je te promets que je serai partie demain. Je t'ai dit que tu pouvais pas rester. Tu dois partir maintenant. C'est bon. Tu peux dormir ici. Viens. Comment tu t'appelles ? Jody. Je suis Paul. Voici mes fils, Corey et Jay. Ma mère, Shimasani. Ne sois pas surprise si elle ne répond pas. Elle n'a pas parlé depuis des années. On allait justement dîner. Tu veux te joindre à nous ? Oh. Oui. Oui, merci. Je vois pas beaucoup d'autostoppeurs ici. Tu veux savoir où tu vas ? En fait, tous les jours, je change d'endroit. Je me dis que si je continue assez longtemps, je finirai par savoir où je vais. Je vois. Vous êtes vraiment loin de tout ici. Ma famille vit ici depuis des générations. Je suis né ici. Et je vais sûrement y mourir. Je dis à mes fils de partir. Je sais qu'il n'y a rien pour eux ici. Mais ils veulent rester avec leur grand-mère et moi, alors. Vous êtes... des Navarros, c'est ça ? Des Dinés. Ça veut dire le peuple en Navarro. C'est comme ça qu'on s'appelle. Vous élevez des chevaux ? Ouais, des mustangs. On a aussi quelques churros. Des churros ? Des moutons. Oh. On vend leur laine et leur lait. C'est pas grand-chose, mais ça nous permet de vivre. Eva, montrez ta chambre. Bonne nuit. Alors, tu viens ?
De quoi est-ce qu'ils ont eu si peur? Quoi que tu entends.
avais l'air épuisé. J'ai dit au garçon de te laisser dormir. Merci, j'en avais vraiment besoin. J'ai fait du café. Je vais reprendre la route. Merci. On a vraiment beaucoup de travail à la ferme. Tu pourrais rester quelques jours et nous aider. Je ne pourrais pas te payer, mais tu aurais un toit et de quoi manger. Qu'est-ce que t'en dis ? Oui. Oui, pourquoi pas. Bien. Il y a des vêtements dans la chambre de Cory. On se voit dehors ? Prête à bosser ? Je suis toujours prête. Les moutons ont besoin d'eau. Tu peux t'en occuper ? Bien sûr. Alors, tu vas rester un peu ? Ouais, on dirait. Super ! Je veux dire, c'est cool d'avoir de l'aide. Merci, Johnny. Oh, tu peux prendre du foin dans la grange ? Bonjour. Je m'appelle Jody et je vais rester un peu dans votre famille pour vous aider. J'espère que ça ne vous ennuie pas. C'est magnifique. C'est vous qui l'avez faite ? T'excite pas, Aiden.
Juste une botte, pas besoin d'embarquer tout le stock. Jody, on mange. Ok, laisse-moi juste terminer ça. Pose-la où tu veux. Merci, Jody. C'est l'heure de manger. Va rejoindre les garçons si tu as faim. Vous venez ? Plus tard. J'ai encore du travail. Ok, à plus tard. Assieds-toi. Merci. Est-ce que c'est vrai que ta grand-mère n'a pas parlé depuis des années ? Ouais. D'après mon père, elle n'a pas dit un mot depuis la mort de mon arrière-grand-mère. Ça doit bien faire 30 ans. Il y a beaucoup de choses à faire au ranch. Ouais. Jay s'occupe des chevaux. Moi, je surveille les churros et mon père s'occupe de tout le reste. C'était quoi ces bruits hier soir ? C'était comme si quelque chose tapait sur la ferme et... C'est juste le vent. Il fait des bruits bizarres dans le désert. J'ai vu les moutons morts. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? La tempête. Ils ont quitté l'enclos et ils sont étouffés dans le sable. Tu poses toujours autant de questions ? Quand je comprends pas quelque chose, ouais. Ouais ? Et si je te posais autant de questions ? D'où tu viens ? Ce que tu fais ici ? T'aimerais pas trop ça, hein ? Alors garde tous tes petits secrets. Et ne pose plus de questions. Maintenant, excuse-moi, j'ai des choses à faire. T'en fais pas, Jody. Il est cool une fois qu'on le connaît. Si tu le dis. Bon. Je ferais mieux d'y aller avant que mon père s'énerve. À tout à l'heure. Bravo, Jody. Autre chose à faire, Paul ? Non. Mais les garçons ont peut-être besoin d'aide. Ok, je vais voir. Allons voir ce que fait Jack. Fier et têtu. Il veut jamais entrer avec les autres. Ça t'ennuie que j'essaie ? T'es déjà occupé de chevaux ? Non. Fais-toi plaisir.
s'appelle Ashki. Salut Ashki. N'aie pas peur, je vais juste venir par là, ok? Non, Aiden. C'est entre lui et moi. Doudou. Doudou, mon grand. Tu vois, Ashki ? C'est pas si mal, hein ? Admets-le. Tu m'aimes bien. Eh, hey, Aiden. T'as jamais voulu monter à cheval ? Emmène-le à l'enclos. Comment t'as fait ça? On a tous nos secrets, hein? Je t'ai peut-être mal jugé. Tu veux prendre une douche, c'est derrière la grange. Les dames d'abord. Je dis pas non. Et après, le gars est parti en courant. Et vous savez quoi? On l'a plus jamais revu. Il est l'heure d'aller au lit. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux dire, pourquoi on doit verrouiller la maison? Va dans ta chambre, Johnny. Et n'en sors pas, quoi qu'il se passe. Souviens du mouton hier soir. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Bordel, mais parle-moi, Paul! Qu'est-ce qui se passe ici? Va dans ta chambre. Tu ne pourrais rien faire. Thank you.
Jody! Jody, je t'ai dit de rester dans ta chambre. Tu aurais pu te faire tuer. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ce truc? Tu aurais dû m'écouter. Et rester dans ta chambre. Non, vous devez me dire la vérité. Vous devez me dire la vérité maintenant. C'est Yeitsu. Il veut du sang. C'est tout ce qui l'intéresse. On ne peut rien y faire. On ne peut pas vaincre un esprit. Les esprits ne vivent pas dans ce monde. S'il est ici, il y a une raison. Tu te souviens, Ashki ? On est potes, pas vrai ? Je vais juste poser mon pied dans l'étrier et grimper, ok ? Il faut que je comprenne comment avancer. Hey, qu'est-ce que t'en dis, Ashki ? On se débrouille pas mal, hein ? Ce cheval va devoir me dire ton secret. Écoute, je vais au pâturage pour voir les churros. Tu m'accompagnes ? Bien sûr. C'est parti ! Yeah ! Écoute, je sais que t'as pas envie d'en parler. Mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé hier soir. Et les fantômes qui entourent la maison. Est-ce que tu sais qui ils sont ? Mon père raconte que 5 esprits gardiens ont toujours protégé notre tribu. Ils sortent la nuit pour empêcher Yeitsu de nous massacrer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Yeitsu n'a jamais réussi à entrer dans notre maison. Est-ce que l'esprit vient toutes les nuits ? Il peut venir plusieurs nuits et ne pas se montrer pendant des mois. Mais il finit toujours par revenir. Maintenant, à moi de te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici, au milieu de ce désert ? On dirait que t'essaies de fuir quelque chose. Je crois que j'essaie juste d'oublier. De prendre un nouveau départ. Peut-être que j'essaie de me fuir moi-même. Tu es comme nous. Tu as aussi un terrible secret, pas vrai, Jody ? J'ai quelque chose à te dire. J'ai piqué des cloches. Oh, c'est ça? Tu peux pas chier à... Ah, il y a un chien de riche. C'était Paul. Il n'y a pas d'eau au ranch, le puits doit avoir un problème. J'y jetterai un œil en revenant. Je
peux aller jeter un œil si tu veux. Bah, je sais pas si tu pourras faire grand-chose. Je me débrouillerai. Dis-moi où est le puits. Il est là-bas. Il a une éolienne. Tu peux pas le rater. Ok. On se retrouve au ranch. D'accord. À tout à l'heure. La pompe refonctionne.
amener ici? Les soldats du fort. Est-ce que c'est Yeitsu? Je dois le trouver.
porter des masques rituels. Ils ont été tués par l'entité. Merci, Aiden. Celui-là n'a pas de talisman. Le cinquième talisman. Il l'a mis autour du cou du bébé. Aide-moi, Aiden. Il faut que je voie ce qui est arrivé. Oh, tout a défilé trop vite. J'ai rien pu comprendre. J'ai l'impression que tout est mélangé. On dirait qu'il manque quelque chose. Je vais montrer le talisman à Paul. Il sait peut-être quelque chose. On ne peut pas battre un esprit. Comme sa mère avant elle. Elle m'a aussi donné ceci. Le cinquième talisman. Tout a commencé.
bien regarder. Mémoriser tous les détails. Ici. Ils étaient perdus, pleins de haine envers l'homme blanc. Ils l'ont appelé pour tuer leurs ennemis et prendre leur revanche. Mais ils se sont pris à eux. Ils avaient encore soif, soif de sang. Et Itso est revenu. Il est là pour prendre nos vies. Vos ancêtres. Ce sont les gardiens qui protègent la maison, pas vrai? Ils ont compris leur erreur, alors ils sont revenus pour nous protéger contre le mal qu'ils avaient libéré. S'ils ont amené l'entité ici, enfin, il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer dans son monde. Ils ont suivi un rituel pour ouvrir le passage. Je me souviens encore de l'incantation, mais le rituel s'est perdu dans le passé. Je l'ai vu. J'ai vu le rituel dans ma vision. Je vais le préparer et vous pourrez m'aider à dire l'incantation. Fais vite! Il arrive. Un feu. Je dois allumer un feu juste devant la maison. C'est quoi ce bordel? Crois-moi! Je sais ce que je fais! Jody, il faut qu'on y aille! La tempête arrive! Laisse-la faire, Jay! Shimasani? Tu peux parler? Vite, Jody! Tu dois trouver un bâton pour tracer les signes! Chaman. Voilà. C'est exactement ça. Ok. Maintenant, chacun de vous doit se placer près d'un talisman. Il doit y avoir une âme rattachée à chacun d'eux. Il y a 5 talismans! Il nous faut une 5e âme pour finir le rituel! C'est de la folie, Jody! On va tous mourir si on rentre pas tout de suite! Merde! Merde! Il nous faut une autre âme! Shimasani, commencez l'incantation maintenant! Hé-oh-hé-oh-hé! Hé-oh-hé-oh-hé! Hé-oh-hé-oh-hé!
Sanu! Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène. Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années. Pour nous, c'est un lieu sacré. Ce sont les ossements de vos ancêtres. Je suis sûre qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple. Masani et ses ancêtres. Il est bien volé.
Alors ta décision est prise. Tu t'en vas? J'ai encore quelques trucs à régler. Des trucs de mon passé. Je crois que je suis prête à les affronter. Tu as fait beaucoup pour nous, Jody. Pour nous et pour notre peuple. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, reviens nous voir. Tu es chez toi ici. Tu vas me manquer. Toi aussi. Je t'oublierai jamais, Cory. Ashki, tu vas lui manquer. Mais je reviendrai le voir un jour. Hey, Jody! Je pensais quand même pas y aller à pied, ici. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai réussi à la faire redémarrer. Vas-y, prends-la. C'est notre façon de te remercier.